بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 31 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid avec le charh du Cheikh Saleh Al-Fawzan, et on est arrivé aujourd'hui au chapitre 7. Al-Bab al-Sabi' Babun min al-Shirk Libsul Halqa wal-Khayt wa nahwihima li raf'i al-Bala'i aw daf'ihi. C'est-à-dire, c'est le chapitre qui parle que, ou qui dit que parmi ce qui fait partie du Shirk, il y a le fait de porter al-halqa et al-khayt et des choses de ce genre pour essayer d'enlever un mal ou de le repousser, de l'éloigner. Et on va expliquer tout ce que ça signifie, ce titre, Inch'Allah. En fait, on peut résumer ça en disant que c'est le fait de porter des porte-bonheurs ou de porter certains objets ou certaines choses comme des colliers ou des bracelets ou des trucs de ce genre, pour essayer de se protéger contre un malheur ou une maladie ou quelque chose de ce genre. Et ça, c'est répandu actuellement dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans également, des musulmans qui portent des objets ou des colliers ou par exemple, oui, des fois ils portent une chaîne avec une main, hein, avec un œil au milieu, il y en a qui portent d'autres trucs aussi de ce genre, et ça c'est répandu, ça fait partie maintenant des coutumes pour certains, même des traditions, des coutumes qui sont répandues dans certains pays musulmans, et tout ça, c'est des choses qui contiennent du shirk. D'accord? Donc on va lire, Inch'Allah, l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là, on va commencer à lire le texte, puis j'ai ramené le charh du Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen du livre Kitab al-Tawhid. Le livre s'appelle Al-Qawl al-Mubin ala Kitab al-Tawhid. Et il y a des détails qui sont expliqués dans ce livre-là, très intéressants. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'y référer pour clarifier certains points qui sont un peu plus détaillés et que le Cheikh Saleh Al-Fawzan n'a pas mentionné dans son charh. D'accord. Donc on va commencer. Le Cheikh il dit, ça c'est les paroles du Cheikh, en fait c'est le texte du livre Kitab al-Tawhid lui-même par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit قولullah ta'ala نعم قولullah ta'ala قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. Il commence à ce chapitre en mentionnant ce verset-là. C'est un verset dans Sourate Zumar qui dit « Ne voyez-vous pas ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah m'a voulu quelque chose ou si Allah m'a voulu quelque chose de mal, est-ce qu'elles seront capables de l'éloigner, hein, ou d'enlever ce mal ?» Et donc ça c'est le verset. Puis maintenant le Cheikh il explique maintenant le titre de ce chapitre et pourquoi il a été placé à cet endroit-là dans le livre. Cheikh il dit « Munasabatu hadha al-bab lima qablahu min al-abwab
أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ناسب أن يذكر في هذا الباب ما وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر الذي هو ضد التوحيد وضد شهادة أن لا إله إلا الله أو منقص لهما وقوله رحمه الله تعالى باب من الشرك أي من أنواع الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق على البدن أو على الدابة أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عن تدفع عين الحاسد أو أنها تحرس البدن أو تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو المتجر من الشرور والمحاذير وهذه عادة جاهلية لا تزال في بعض الناس إلى اليوم بل تتزايد بسبب الجهل فإنهم يعلقون هذه الأشياء على أجسامهم وعلى أجسام الأطفال وعلى السيارات وعلى الدكاكين والبيوت وقصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله لأن الله جل وعلا هو الذي يدفع الشر وهو الذي إذا أراد بعبده شيئا فلا بد أن يقع إما في نفسه أو في ماله أو في أهله فلا أحد يدفعه وإذا منع شيئا فلا أحد ينزله ويقول يعني يقول تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الأمر كله بيد الله جل وعلا فيجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل وأن تخلص العبادة لله وأن لا يخاف إلا من الله فمن تعلق قلبه بالله ووحده فإنه لا يضره شيء إلا بإذن الله أما من تعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ما تعلق عليه ويبتليه كما يأتي Donc, dans ce chapitre, le cheikh il dit que la raison pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a placé ce chapitre-là à cet endroit, après avoir mentionné les chapitres qui ont précédé, et celui qui a précédé celui-là, c'était la signification du témoignage de la ilaha illallah et l'explication du tawhid, il dit que la raison c'est que l'explication du tawhid c'est que l'adoration doit appartenir uniquement à Allah lui seul et qu'il n'a pas de partenaire et que nous devons abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'était important à ce moment-là de clarifier dans ce chapitre maintenant certaines catégories de shirk parmi les formes de shirk majeures et les formes de shirk mineures qui viennent s'opposer au tawhid et qui viennent s'opposer au témoignage de la ilaha illallah ou bien si ça ne s'oppose pas directement et complètement à la ilaha illallah, mais ça diminue de sa pureté et de son essence, d'accord? Donc, si on regarde tous les chapitres qui ont précédé jusqu'à maintenant, on voit que c'était comme des chapitres pour faire un genre d'introduction ou de présentation du tawhid, mais on rentrait pas dans aucun exemple spécifique et très précis ou particulière du tawhid. C'était juste pour expliquer la réalité du tawhid, qu'est-ce que c'est et c'est quoi notre rôle vis-à-vis du tawhid, etc. Maintenant, on commence hein, à partir de ce point-là jusqu'à la fin du livre, on va commencer à voir différentes sortes de shirk, des choses qui sont en opposition avec le tawhid. D'accord? Donc, c'est pour ça que par la suite, tout ce qu'on va apprendre jusqu'à la fin, Inch'Allah, eh bien là, ça va être des choses plus
concrètes, des choses, c'est-à-dire quand je dis concrètes, c'est-à-dire des choses qui sont réellement visibles, des formes de shirk qui sont actuellement présentes dans beaucoup de peuples musulmans aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est très important de les connaître et de savoir distinguer entre ce qui est shirk et ce qui n'est pas shirk, etc. Donc le cheikh dit ensuite, وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ, quand il dit, et le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il dit, بَابٌ مِنَ الشِّرْكِ, c'est-à-dire un chapitre qui dit que parmi les formes de shirk, parmi les sortes de shirk, il y a le fait de porter des bracelets ou des cordes ou des trucs de ce genre, et le cheikh explique que c'est tout ce que quelqu'un peut mettre sur son corps, ou bien sûr sa monture, s'il y a un animal qu'il utilise comme un cheval ou autre, une mule ou un âne ou quelque chose comme ça pour se promener ou pour faire par exemple sur la ferme ou des trucs de ce genre, ou bien sur la voiture, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui ont dans leur voiture des versets de Coran qu'ils accrochent, ou même des fois un mushaf au complet qu'ils mettent dans la voiture, et certains d'entre eux, ils s'imaginent que ça peut protéger de quelque chose. Il y en a qui vont mettre une main aussi, comme le signe de la main de Fatima, comme ils l'appellent, avec l'œil au milieu, et toutes sortes de trucs de ce genre. Le cheikh, il dit aussi qu'il y en a qui mettent ça sur les portes, sur les portes, et ils croient que ça peut repousser al-ayn, le mauvais œil. Et il croit aussi que ça peut protéger le corps, et que ça peut protéger les bêtes, et protéger les voitures, ou les commerces, ou les maisons, ou bien ils le mettent aussi sur leurs enfants, ils accrochent sur leurs enfants des colliers, ou des bagues, pas des bagues, mais des mains. Il y en a qui portent aussi des bagues, j'ai vu ça dans certains pays musulmans, comme en Afrique de l'Ouest. Une fois j'ai vu un musulman avec une bague, puis à l'intérieur de cette bague il y avait soi-disant un talisman ou quelque chose comme ça, puis Nasidji, ok, donc c'est ça, puis il croit que ça peut protéger, ok, il y en a un qui m'a dit ça, c'est ma grand-mère qui m'a donné ça, et puis à l'intérieur il y a quelque chose, et puis ça peut me protéger, donc ça c'est des formes d'exemple, ça rentre peut-être dans les talismans, mais ça c'est dans le chemin, dans le chapitre qui va suivre, on va voir d'autres exemples plus spécifiques, mais dans ce chapitre ici, c'est plus des objets ou des trucs que les gens portent, ils croient que ça éloigne du mauvais œil ou des trucs de ce genre. Wallahu a'lam. Si quelqu'un met, comme le frère dit, écrit par exemple, Masha'Allah, ou Hada min Fadlillah, ou des choses de ce genre, on voit ça des fois sur les maisons, c'est-à-dire que, Masha'Allah, pour rappeler à la personne qui regarde des fois de dire Masha'Allah, ou bien Tabarakallah, ou bien de dire par exemple, ça c'est, ils écrivent par exemple, Hada min Fadlillah, ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout dépend de l'intention de la personne qui a mis ça. Si elle croit que c'est cette parole-là ou cette chose-là qui, c'est-à-dire cette écriture-là qui va protéger du haine, des choses de ce genre, non, mais si il le met dans le sens pour rappeler à la personne de dire ce dua, ou de faire ce dua, yani, dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne rentre pas dans le shirk. S'il met le dua recours, comme tu dis, dans sa voiture, le dua qu'on dit avant de monter dans la voiture, des choses de ce genre, il le dit seulement pour le mémoriser, parce qu'il ne l'a pas appris encore par cœur, il le met pour se rappeler comment le dire, des choses de ce genre, ça rentre pas aussi dans le shirk, mais on va expliquer comme il faut la question, comme ça vous êtes capable de comprendre quand est-ce que c'est shirk, quand est-ce que c'est pas shirk, quand est-ce que c'est shirk akbar, quand est-ce que c'est shirk asrar, et comme ça vous êtes capable de distinguer bien comme il faut entre toutes les différents cas. Non. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, ces pratiques-là que les gens font, de mettre ces choses-là, il y a un frère algérien l'autre jour, il m'a dit qu'ils mettent même des pneus sur les maisons, en Algérie, ils mettent des pneus sur les maisons, comme ça, pour enlever, soi-disant pour enlever le mauvais œil ou je sais pas quoi.
Et allez, c'est des drôles de pratiques que certaines personnes font. Ajib. Subhanallah. Ouais, des porte-bonheur. Des porte-clés, porte-bonheur. Ouais, il y en a ici, ici au Québec, les Québécois, ils ont toutes sortes de trucs comme ça. Les fers à cheval. Les pattes de lapin. Quoi d'autre encore? Issa? Tu connais, allez. T'en connais pas d'autres? Ok, ça fait partie des exemples. Ceux qui, par exemple, ils vont apporter une patte de lapin, ils croient que ça porte chance. Ou bien, comme j'ai dit, des trucs de ce genre. Je pense que ça, oui, faire à cheval, un trèfle à quatre feuilles, hein, des trucs. Non. Donc ça, c'est le chef, il dit ça fait partie des traditions de la Jahiliya, c'est-à-dire de l'époque pré-islamique, et ça existe encore aujourd'hui chez les gens. Et il dit que ça augmente chez les gens aujourd'hui à cause de ça, à cause de l'ignorance. Hein, ça augmente chez les gens à cause de l'ignorance, parce qu'ils commencent à attacher ces choses-là sur eux-mêmes, ils portent ça sur eux-mêmes, soit par une chaîne, ou un bracelet, ou une corde, ou des trucs de ce genre. Ils les mettent sur leurs enfants, ils les mettent sur les voitures, ils les mettent dans les magasins, dans les maisons, et leur but, c'est, ils croient que ça peut éloigner le mal. Et le chef, il dit que ça fait partie du shirk d'Allah, hein, parce que tu t'accroches ou tu mets ta confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner quelque chose de mal. Parce que le chef il dit, en réalité, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle le monde et l'univers. Tout ce qui est dans l'univers, c'est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tout ce qui arrive de mal, tout mal qui existe, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le repousser. Et tout ce qui arrive de bien, c'est uniquement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala veut que quelque chose arrive pour son serviteur, alors c'est certain que ça va arriver, soit en sa personne, ou dans ses biens, ou dans sa personne, et personne ne peut le repousser. Ça veut dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que, si Allah veut que quelque chose t'atteigne dans ta personne, dans tes biens, dans ta famille, dans quoi que ce soit, c'est certain que ça va arriver cette chose, et il n'y a rien qui peut le repousser. D'accord? Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut empêcher quelque chose de t'atteindre, eh bien il n'y a rien qui peut faire que cette chose-là va t'atteindre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Fatir, il n'y a rien que Allah subhanahu wa ta'ala donne aux gens de ses miséricordes, que personne, et ici Allah subhanahu wa ta'ala donne des choses de ses miséricordes à ses créatures, personne ne peut le retenir. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala retient, alors personne ne peut le donner, ou le répandre, ou le faire arriver aux gens. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le contrôle absolu, hein, et définitif dans sa création. Et tout le commandement lui revient, et tout est entre ses mains, hein. Tout est entre son commandement, et tout est entre ses mains. Et donc c'est obligatoire pour nous d'accrocher notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, et de purifier notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit donc de craindre, excepté de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui accroche son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il n'y a rien qui peut lui nuire, excepté par la permission d'Allah. Et celui par contre qui accroche son cœur à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le laisse avec cette chose sur laquelle il s'est accroché, et Allah subhanahu wa ta'ala va le tester à cause de ça, et va le punir à cause de ça. D'accord? Donc ça, c'est l'introduction que le cheikh a fait à propos de ce verset, à propos de ce chapitre.
puis ensuite il explique le, il commence à expliquer le verset, mais avant de rentrer dans le verset, comme j'avais dit, que je vais rentrer avec le, je vais rajouter les explications que le cheikh Ibn Uthaymeen a expliqué à cet endroit-là, pardon, à cet endroit-là, pour clarifier un principe ou un certaines règles à propos de la distinction la distinction au sujet du shirk, quand est-ce qu'il est akbar, quand est-ce qu'il est asrar, quand est-ce que c'est un shirk majeur, quand est-ce que c'est un shirk mineur et tout ce qui a rapport avec ça. Donc, le cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il dit dans le volume 1, dans Kitab al-Tawhid, à la page 159, à ce chapitre, il dit وقوله من الشرك هنا للتبعيد أي هذا من الشرك ليس كل الشرك والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر وليس هذه الأشياء قد يكون ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها وكان لبس هذه الأشياء من الشرك لأن كل من أثبت لله سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. Le cheikh il dit que parmi ce qui fait partie du shirk, il dit que il dit parmi parce que c'est pas tout le shirk, c'est juste une forme de shirk parmi les différentes formes de shirk. Et le mot shirk, c'est un mot qui comprend différentes catégories. Il y a le shirk qui est majeur et le shirk qui est mineur. Et de porter ces choses-là, porter les bracelets et les cordes et les trucs de ce genre pour éloigner le mal ou pour repousser le mal, de porter ça, ça peut faire partie du shirk mineur et ça peut aussi faire partie du shirk majeur. Et ça revient à quoi la distinction entre ces deux formes-là? Ça revient à qu'est-ce qui est à l'intérieur de la personne qui le porte, de aqida par rapport à cette chose. Ok? Et donc, le cheikh il dit que pourquoi c'est shirk de porter ça? C'est parce que tu fais ou tu affirmes que Allah a établi ou à déterminer quelque chose comme étant une cause légale, alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'en avait pas fait une cause légale, ou un moyen légal. Hein? Tu affirmes que cette chose-là est un moyen légal pour t'éloigner un mal, ou rapprocher un bien, etc. Alors qu'en réalité, Allah n'en a pas fait de ça un moyen légal pour cette chose. D'accord? Ni dans la charia, c'est-à-dire tu ne peux pas prouver que c'est un moyen légal et permis dans la charia, et tu ne peux pas non plus prouver que c'est un moyen qui est efficace dans al-qada, c'est-à-dire dans la réalité de qu'est-ce que tu peux observer physiquement. C'est-à-dire, on va expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc celui qui affirme que quelque chose est un moyen pour éloigner le mal, sans que ce soit prouvable par la charia, et sans que ce soit prouvable par les preuves physiques dans la dunya, eh bien, il a fait un shirk. Et là, ça peut être soit majeur ou mineur, selon ce qui est dans l'intention de la personne ou la croyance de la personne vis-à-vis de cette chose-là qu'il a déclaré ou qu'il a établi comme étant un moyen. Le cheikh dit, مثلا قراءة الفاتحة سبب للشفاء شرعي. Il a dit par exemple de réciter sourate al-Fatiha, c'est un moyen pour se guérir selon la charia. Pourquoi? La preuve de ça c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé comme une ruqya et les sahabes l'ont utilisé comme une ruqya. Donc c'est, on peut prouver que c'est un moyen légal pour, de l'utiliser pour se guérir dans une maladie ou pour un problème quelconque.
وأكل أكل المسهل سبب لانطلاق البطن وهو قدري لأنه يعلم بالتجارب. الشيخ يقول que bon là je pense que d'après ce que je comprends il parle d'un médicament que tu prends que si tu le prends ce médicament là il t'aide à disons libérer ton estomac ou des trucs de ce genre que ce soit OK. Mais ici, le chef, il parle d'un... Oui, c'est ça. C'est un médicament. Il dit « huwa qadari ». C'est quelque chose qui a été... لِأَنَّهُ يُعْلَمُ بِالتَّجَارُبْ. C'est un médicament, quand tu le prends, c'est comme par exemple, quand quelqu'un a la diarrhée, il prend on lui donne à la pharmacie un médicament qui s'appelle Imodium, et puis... Non, je ne vais pas le citer, mais c'est juste pour dire que ça aide pour ces choses-là, et ça s'est prouvé, parce qu'on a fait des tests cliniques et tout, puis on a été capable d'établir que c'est un remède efficace pour ce genre de problème de santé. Donc c'est qadari, on peut le prouver par des tests et par des preuves, d'accord? Donc dans ce cas-là, c'est un moyen légal, parce que Allah a fait de ce remède-là un moyen légal pour guérir ce problème. OK. Et le cheikh il dit que il dit wa an-nasu fil asbab tarafan wa wasat. En ce qui concerne les moyens qu'on peut utiliser, il y a à ce sujet-là, les gens se sont divisés à ce sujet-là en trois catégories, deux qui sont des extrêmes et un qui est au juste milieu. Deux qui sont des extrêmes, un qui est au juste milieu. Al-awwal man yunkir al-asbab وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية والثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم والثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les trois catégories de gens, c'est quoi? Il commence par les deux extrêmes, puis après il va mentionner le juste milieu qui est les gens qui suivent les preuves des textes. Le premier extrême, c'est les gens qui nient les moyens complètement. Ils nient que les moyens aient un effet réel dans la guérison ou dans toute autre chose. Ok? Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est un extrême parce que ces gens-là ont nié la sagesse d'Allah subhanahu wa taala. Et ces gens-là, parmi les gens de bid'a, c'est al-jabriya. Et Al-Ash'ariya, parce que Al-Jabriya, c'est ceux qui disent que tout ce qui arrive dans l'univers, ok, yani, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, ça c'est yani, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait que toute chose puisse se produire, ça c'est vrai. Toutefois, ils disent que l'être humain ou les êtres humains par exemple, ils disent qu'ils n'ont pas de volonté propre à eux-mêmes ni de force à eux-mêmes. Donc ils nient que Allah subhanahu wa ta'ala, attendez, ils nient que l'être humain a une volonté propre à lui-même et une force. Ok. Et en ce qui concerne les choses, ils disent que par exemple le feu, c'est pas le feu qui brûle, mais c'est Allah qui le fait brûler, ou des trucs de ce genre. Puis ça, je vais expliquer, je vais donner des exemples parce que le cheikh, ils ont mentionné les paroles d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya à ce sujet-là, qui parle de ce point-là, qui nous explique, cet exemple-là, puis qui nous fait comprendre l'erreur de ces gens-là.
Donc, et Al-Ash'ariya, ils sont avec les Jabriya dans cette bid'a, parce que les Jabriya, les Ash'ara font partie de ceux qui nient yani, la volonté et la capacité pour l'être humain. Ils disent que l'être humain n'a pas de volonté ni de capacité en lui-même. Puis ils disent que tout ce que les êtres humains font ou qu'est-ce qui arrive dans l'univers, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Al-Ash'ara, ils disent ça aussi. Et puis on va lire l'explication du cheikh Ibn al-Qayyim à ce sujet-là. Le deuxième point, le deuxième extrême, c'est ceux qui exagère dans l'affirmation des moyens ou des causes qu'on peut, des causes et des moyens qu'on peut utiliser. Ils font de toute chose une cause ou un moyen, légal. Comme par exemple, on va, ça peut-être aussi, on va donner des exemples de ça. Wa ha'ula hum ammatul khurafiyin. Ça, c'est les gens parmi les soufis et d'autres de cette catégorie-là. Et les gens qui sont au juste milieu à ce sujet-là, c'est les gens qui croient hein, en les moyens et en les effets de ces moyens-là, c'est-à-dire quoi aux causes et aux effets, et ils les affirment. Ils affirment ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé de ces choses-là, ainsi que son messager. Que ce soit des moyens légaux ou des moyens observables dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Donc, le cheikh, il a mentionné une citation de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans Madarij al-Salikin. Il dit, وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَيْسَ إِسْقَاطُ الْأَسْبَابِ مِنَ التَّوْحِيدِ بَلْ الْقِيَامُ بِهَا وَاعْتِبَارُهَا وَإِنْزَالُهَا مَنَازِلَهَا الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِيهَا هُوَ مَحْضُ التَّوْحِيدُ وَالْعُبُودِيَّةِ. Le chef explique, ça c'est pour répondre au premier groupe extrémiste, hein, ou pour montrer l'égarement du premier groupe qui ont exagéré, ceux qui ont nié les causes et qui croient que de nier les moyens et les causes, ça fait partie du tawhid. Ibn al-Qayyim il dit que de nier ces causes-là ou ces moyens-là, ce n'est pas, ça ne fait pas partie du tawhid. C'est ça. Il dit que de laisser tomber les causes et les moyens qu'on utilise dans la dunya, ça ne fait pas partie du tawhid. Ok? Et de prendre les moyens comme il faut et de les mettre dans la place que Allah subhanahu wa ta'ala les a, dans laquelle Allah les a mis, ça c'est ça le tawhid et c'est ça l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, wa al-qawlu bi isqat al-asbab هو توحيد القدرية والجبرية أتباع جهم بن صفوان في الجبر فإنه كان غاليا فيه وعندهم أن الله لم يخلق شيئا بسبب ولا جعل في الأسباب قوة وطبائع تؤثر فليس في النار قوة الإحراق وفي السم قوة الإهلاك ولا في الماء والخبز قوة الري والتغذي به ولا في العين قوة الإبصار ولا في الأذن والأنف قوة السمع والشم بل الله سبحانه يحدث هذه الآثار عند ملاقات الأجسام لا بها فليس الشبع بالأكل وليس الري بالشرب ولا الطاعات والتوحيد سببا لدخول الجنة ولا الشرك والكفر والمعاصي سببا لدخول النار بل يدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة وترد هذا المذهب مفسد للدين والدنيا بل سائر بل ولسائر أديان الرسل ولهذا لما طرده قوم أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها ولم يمكنهم ذلك فإنهم أن يأكلوا ويشربوا ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ceux qui disent qu'on doit laisser tomber les moyens et les causes de la dunya, ça c'est les Qadariya Jabriya, les gens qui ont suivi Jahm ibn Safwan
à ce sujet-là. Le Jahmiyyah, vous savez tous que c'est des gens qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc lui, Jahm ibn Safwan, étant donné qu'il a cette conception dans le Tawhid al-Asma al-Sifat, qu'il nie les noms et les attributs d'Allah complètement, et bien ça, même dans sa conception aussi du Qadar et des autres aspects de la Aqida, il a également des erreurs qui découlent de ça, comme le fait qu'il nie les effets et les causes et les moyens. Donc eux, ils disent que Allah ne crée pas, ne crée rien pour une raison, ou ne crée rien pour une sagesse, hein, et il n'a pas mis en aucune chose une force qui affecte par sa nature elle-même. Donc par exemple, ils disent que c'est pas le feu qui brûle ou qui a le pouvoir de brûler, c'est pas le poison qui a le pouvoir de tuer, c'est pas l'eau ou le pain qui ont le pouvoir d'enlever la soif et d'enlever la faim. Ils disent que non plus c'est pas l'œil qui a le pouvoir de voir, ni l'oreille ou le nez le pouvoir d'entendre et de sentir. Ils disent que c'est Allah qui fait arriver ces sensations-là ou ces choses-là dans les corps. Ils disent que c'est pas en mangeant ou en buvant qu'on s'enlève notre soif ou bien qu'on enlève la faim. Et également, ils ont même appliqué ça aux adorations, aux actes d'adoration. Ils disent que les actes d'obéissance qu'on fait, comme le tawhid et les autres actes d'adoration, d'obéissance, c'est pas ça qui va nous faire entrer au paradis, et le shirk et le kufr et les péchés, c'est pas ça qui fait rentrer en enfer. Ils disent que tout ça, c'est pas à cause de ces choses-là qu'on rentre au paradis ou en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait rentrer qui il veut en enfer ou au paradis, yani, seulement par sa volonté, sans qu'il y ait de cause ni de sagesse. Et le cheikh, il dit que cette idée-là ou ce madhab-là, c'est en réalité quelque chose qui vient corrompre la dunya et la religion. Et c'est quelque chose qui est en opposition avec la religion de tous les prophètes et de tous les messagers. Et ça a même poussé certains à abandonner même les causes dans la dunya et les buts dans la dunya. Et souvent, je ne sais pas si vous êtes familier, mais en tout cas, il y a le groupe qui s'appelle Jamaat Tablir, et eux, ils sont dans l'aqid de son Maturidiyah. Et également, le Maturidiyah, d'après ce que j'ai compris dans leurs enseignements, les Tablir, souvent, je les entendais répéter ça souvent, que eux, ils expliquaient la ilaha illallah de cette façon-là. Ils disaient, il faut, quand tu dis la ilaha illallah, il faut que tu crois que c'est pas le feu qui brûle, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait brûler. Il faut pas que tu crois que c'est le couteau qui coupe. Le couteau lui-même, en lui-même, ne peut pas couper. Donc, des choses de ce genre. Toutefois, la réalité, la parole que, on dit, c'est plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le feu, et il a créé en le feu la capacité de brûler. Et ça fait partie de la nature du feu d'être capable de brûler parce que c'est Allah qui l'a créé ainsi. Na'am. Donc, c'est de dire des choses comme ces gens-là le prétendent, ben c'est contraire comme le cheikh Ibn al-Qayyim l'a expliqué. Ensuite, le cheikh il explique que il y a trois choses à savoir au sujet des causes qu'on utilise ou des moyens qu'on utilise. Comme le cheikh Sa'di il l'a expliqué dans son livre Al-Qawl al-Sadid. La budda min ma'rifati thalathati umur fil asbab. الأول أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. Comme on a dit, la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'on ne doit pas faire ou déclarer qu'une chose est une cause ou un moyen, excepté si c'est prouvable, soit par la charia ou soit par les expériences ou par la preuve physique, comme on a dit au début. Deuxièmement, أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. Deuxièmement, tu ne dois pas mettre toute ta confiance ou te reposer sur ce moyen-là. Tu te reposes plutôt sur Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de cette chose-là une cause ou un moyen
et يعني نعم ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها tout en faisant ce qui est permis dans son utilisation de cette chose-là et tu fais ton effort pour l'utiliser de la meilleure façon, la façon qui est la plus bénéfique. الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. Troisièmement, il faut que tu saches que ces moyens-là que tu utilises, peu importe comment elles peuvent être fortes ou comment elles peuvent être grandes, elles sont toutes reliées à au décret d'Allah et à sa prédestination et elles ne peuvent pas en sortir. D'accord? Donc ça c'est les points en ce qui concerne ça. Et pour continuer l'explication du chef Ibn Uthaymeen, il dit « ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا يقينيا » Il parle du troisième groupe, ceux qui ont cru qu'ils croient aux moyens et aux causes qu'Allah a créées, mais ils ne font qu'affirmer exactement les causes et les moyens qui ont été acceptés ou établis par Allah subhanahu wa ta'ala dans la charia et dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala d'une foi réelle. آمنوا بحكمته حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها وهذا من تمام الحكمة. Le Cheikh il dit qu'ils ont relié, ils ont cru en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi les Jahmiyyah ils ont nié que le feu brûle et des trucs de ce genre? C'est parce qu'ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse ou qu'il fait quelque chose par sagesse. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont nié ça, d'accord? Tandis que nous, on a cru en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque lui-même il a dit qu'il est al-Hakim, d'accord? Donc on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms tels qu'il se les a affirmés pour lui-même. Donc on croit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait toutes choses par sagesse et donc on relie les moyens avec les effets à leur cause et ainsi de suite, et que ça fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. Le chef il dit, si celui qui l'a porté, ce bracelet ou cet objet, qui le porte pour éloigner un mal, et qu'il croit qu'elle a un effet par elle-même, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un mushrik, et le shirk, la catégorie de shirk de celui qui le porte avec cette croyance-là ou cette intention-là, c'est une catégorie de shirk majeur, akbar, qui fait sortir quelqu'un de la foi. Et c'est un shirk dans ar-rububiyya. C'est un shirk dans le tawhid ar-rububiyya. Parce qu'il croit qu'il y a un autre créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens qu'il croit que cet objet agit indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il peut repousser un mal indépendamment de la volonté et de la capacité et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme s'il a cru que cet objet-là est une entité en elle-même qui ne se limite pas à la volonté et au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'elle a un pouvoir d'elle-même et qu'elle a une volonté d'elle-même et qu'elle peut choisir de faire venir un bien ou d'éloigner un mal sans que ce soit limité par la capacité et ou la force et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est donc un shirk dans ar-rububiyya. Celui qui porte ça, cet objet-là, avec cette idée-là ou avec cette croyance-là, c'est un mushrik, même si il fait la prière, même si il dit qu'il est musulman. Non. Ben, comme tu dis, premièrement, ce gars-là, c'est un asiatique, il n'est pas musulman, c'est un bouddhiste.
dans la religion, dans les, chez les Asiatiques en général, c'est des gens très superstitieux. Ils croient en toutes sortes de trucs de pas de bonheur, puis des trucs de ce genre. Tu rentres dans leur maison, tu, eux, ils croient en des, ils croient qu'il y a des chiffres qui portent chance, il y a des objets qui portent bonheur, qui portent chance, etc. Ils sont très, très superstitieux comme ça. Ok? Yarhamukallah. Donc ces gens-là, c'est le tawhid. Il faut commencer à expliquer le tawhid avec eux, parce que le gars, comme tu dis, ses parents lui ont donné un petit truc avec un Bouddha pour mettre dans son cou, et puis il croit que ça éloigne le mal de lui. Mais ça, c'est la croyance de beaucoup parmi ces gens-là. Ils croient en beaucoup de choses, beaucoup de sortes de pas de bonheur comme ça. Et ces gens-là, il faut leur expliquer le tawhid. Il faut leur expliquer que yani, il faut croire premièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que beaucoup de bouddhistes ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, ne croient pas en créateur de l'univers. Ça c'est un. Ensuite, il faut leur expliquer que ce créateur-là, c'est lui qui contrôle toute chose. Et que cet objet que tu mets dans ton cou, yani, regardez par exemple, ceux qui portent une main, ou que ce soit une main, que ce soit un objet comme le petit Bouddha, qui est sculpté dans un petit morceau de jade ou autre matériel, hein, ou n'importe quel autre truc de ce genre, avant qu'il soit sculpté et avant qu'il devienne ce qu'il a été transformé, comme ça, avant d'être sculpté, c'était un morceau de matière, de minéraux comme les autres. La croix, avant qu'elle soit sculptée et coupée pour qu'elle devienne en la forme d'une croix, c'était un morceau de bois comme les autres, hein. N'importe quel autre objet que les gens peuvent prendre, comme la main de Fatima, qu'ils font, que ce soit en or ou en une autre matière, avant d'être dans la forme d'une main, c'était un morceau de métaux, comme les autres métaux. Et une autre, peu importe dans quelle matière il a été créé, dans sa forme originale, les gens n'avaient pas une croyance spécifique envers cette matière. Mais pourquoi une fois qu'on l'a transformée dans cette forme particulière, elle prend tout d'un coup une nouvelle capacité ou une nouvelle puissance qu'elle n'avait pas auparavant, hein? Donc ça, c'est ça qui nous montre en réalité que cette aqida, elle est bâtée. Là, c'est la même chose pour les idoles. En fait, quand quelqu'un met un truc comme ça dans son cou ou sur lui-même, c'est la même chose que d'avoir une idole. C'est comme s'il met une idole, une main idole dans son cou, ou dans son bras, ou dans sa main, ou dans son pied, et qu'il croit que cette idole-là peut le protéger, peut éloigner le mal, ou peut ramener quelque chose de bien pour lui. Et c'est pour ça que le cheikh, Mohammed ibn Abdul Wahhab, le premier verset qu'il a mentionné dans ce chapitre, c'est un verset qui a rapport avec les idoles, pour montrer que ça, ce genre de choses-là, c'est une genre d'idole que les gens portent sur eux-mêmes pour se protéger, pour éloigner le bien, pour approcher le mal. Donc, comme tu expliquais, Yannis, c'est ça. Moi, une fois, j'étais je travaillais dans un magasin, puis il y a une femme qui est venue avec ses enfants. C'était une musulmane, hein. C'est-à-dire, ses enfants, bon, je me rappelle plus de quelle origine ils étaient, de quel pays ils étaient, mais je sais que, je me souviens que c'était des gens, d'après ce que je me souviens, c'était des gens qui étaient du nord de l'Afrique, et le petit garçon, il avait une main dans son cou, sur une chaîne. Et là, moi j'ai dit à la mère de ce petit garçon-là, j'ai dit, madame, est-ce que vous savez dans l'islam, qu'est-ce que c'est le plus grand péché? Et là, elle m'a répondu, je sais pas, boire de l'alcool, tuer, des trucs comme ça. J'ai dit, le plus grand péché dans l'islam, c'est shirk billah. C'est le seul péché que quelqu'un, Allah ne pardonnera pas s'il ne s'est pas repenti avant sa mort. Hein? C'est le seul péché qui fait que quelqu'un reste en enfer pour l'éternité, s'il le fait. Tout autre péché, en dehors de celui-là, Allah peut le pardonner à qui il veut. Hein? En dehors du kufr et du shirk, Allah pardonne tout autre péché à qui il veut. J'ai dit, vous savez que dans l'islam, par exemple, j'ai dit, moi je ne sais pas c'est quoi votre intention, je ne sais pas c'est quoi votre croyance vis-à-vis de la main, par exemple, que quelqu'un met dans le cou, mais juste pour vous informer que celui dans l'islam qui porte ce genre de main, qu'il met dans son cou et qui croit que ça peut protéger du haïn
ou du mauvais œil ou des trucs de ce genre, ça c'est une forme de shirk. Si tu crois que ça peut protéger par lui-même, ça peut éloigner le mal en lui-même, ça c'est shirk akbar, c'est-à-dire ça, c'est en dehors de l'islam celui qui le fait. Et comme le cheikh il dit, وَإِنْ اِعْتَقَدَ أَنَّهَا سَبَبٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُؤَثِّرًا بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا أَصْغَرٌ لِأَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّ مَا لَيْسَ بِسَبَبٍ سَبَبًا فَقَدْ شَارَكَ اللَّهُ فِي الْحُكْمِ لِهَذَا الشَّيْءِ بِأَنَّهُ سَبَبٌ وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ سَبَبًا. Le Cheikh il dit, donc en même temps je rentre ça dans l'histoire, c'est que si tu crois que cette chose-là, elle est un moyen pour éloigner le mal, non pas qu'elle le fait par elle-même, mais que c'est un moyen pour éloigner le mal, hein, elle ne le fait pas d'elle-même, cet objet-là, mais que c'est un moyen, que tu crois que Allah a fait de cette chose un moyen, alors ça c'est un shirk mineur, c'est-à-dire c'est un grand péché, c'est un shirk mineur qui ne te fait pas quitter l'islam, mais c'est quand même très dangereux. Parce que tu as, pourquoi c'est un shirk mineur? Parce que tu as déclaré ou tu as établi que c'était un moyen, alors que Allah ne l'a pas déterminé comme étant un moyen. C'est toi qui as décidé que c'est un moyen, mais Allah n'a pas décidé que c'est un moyen. Ni dans la charia, parce que tu n'as pas de preuve que tu as le droit d'utiliser ce genre de choses pour te protéger d'un mal, et ni dans le qadar, ni dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu n'as pas de preuve que tu peux pas prouver physiquement, hein, que cet objet-là peut physiquement éloigner ce mal par aucun test ou aucune expérience. Donc moi j'ai expliqué ça comme cela, et cette femme elle a dit, hein, j'ai déjà raconté cette anecdote-là déjà, mais c'est pour le, en même temps on parle de ça, donc ça rentre dans le sujet. J'ai dit, donc j'ai expliqué ce point-là. Et là, la femme m'a dit, non, on a juste mis ça comme décoration. C'est juste comme un bijou, comme une décoration. Et le petit garçon qui était là, qui portait la main, tout de suite il a dit, non maman, c'est pas vrai, tu m'as dit que c'était pour nous protéger du mauvais œil. Hein? Il a démenti sa mère devant nous. Il a fait, bon, là bien entendu sa mère était mal à l'aise, mais quand même c'est pour dire que, yani, le petit garçon il a quand même dit la vérité, hein, et il a avoué que quand on lui a donné cette chaîne, c'était pour qu'il croie que ça pouvait le protéger d'un mauvais œil ou de quelque chose de mal, et donc ça rentre dans le shirk, hein, et comme si le petit, hein, un enfant, Allahu alam, est-ce qu'il avait cette aqidah qu'elle peut le protéger en lui-même ou non, mais en tout cas d'après ce que je lui ai expliqué, il semblait avoir compris qu'il ne fallait pas croire en ça. Et donc alhamdulillah, c'est juste pour dire que lorsque quelqu'un voit quelque chose comme ça dans ce genre-là, surtout si il est capable de dire à la personne que ça c'est shirk, etc. C'est très important de le faire, parce que d'interdire le mal, ça c'est le plus grand mal, parce que c'est shirk, et donc il faut essayer de trouver une bonne manière pour essayer de faire comprendre à la personne que c'est très dangereux cette chose-là, tu vois. Péché, oui, le plus grand péché dans l'islam, oui c'est ça, mais peu de musulmans le savent. Le plus grand péché, c'est quoi? Demande à des musulmans. Beaucoup de musulmans, ils ne sauront pas quoi te répondre. Déjà, comme je disais à un frère une fois, je parlais des mawasim, et qu'est-ce qui se passait là-bas, dans les, quand il y a les, comment on appelle, les mawasim. Tu sais, comme quand ils ont une fête pour le wali, puis ils font plein de fêtes, ils font une grande fête, c'est comme une sorte de fête, hein. Ils font des tentes avec des jeux, des animations, des tout, hein. Et puis, donc il y a plein d'activités qui se font autour de l'adoration du saint. Il y en a qui vont pour le saint, pour le wali, soi-disant. Il y en a d'autres qui vont pour les jeux, pour les amusements, et pour les autres choses qui sont haram. Donc,
quand j'ai mentionné à un frère une fois ces choses-là, il me dit, ah, quand les gens vont là-bas, ils font le zina, ils boivent l'alcool, ils font des trucs comme ça. Je dis, ah, ils font pire que ça encore. Alors, comme je lui disais, le shirk, lui, il me dit, ouais, il y a des gens qui font pire encore, ils font le zina et des trucs comme ça. Je dis, non. Ah, le shirk, c'est plus grave que le zina, c'est plus grave que l'alcool, c'est plus grave que toutes ces autres choses-là. C'est pour ça que je te dis, beaucoup de musulmans, des fois, c'est comme s'ils voient pas la laideur du shirk. Parce que c'est comme si c'est devenu tellement habituel, on est tellement habitué de le voir, que c'est devenu normal. On ne réalise pas le mal et la laideur qui est là-dedans. Ok? Donc, c'est juste pour faire comprendre que, yani, il faut comprendre en ce qui concerne le shirk, que ça peut être majeur et que ça peut être mineur. Et comme on a dit, pourquoi c'est quand shirk majeur, c'est quand c'est on croit que cette chose elle a un pouvoir en lui-même, et quand c'est un shirk mineur, c'est quand on dit non, elle n'a pas un pouvoir en elle-même, mais c'est un moyen qu'on peut utiliser. Sabab, comme l'autre fois le frère disait à propos des gens qui vont voir les awliya, il dit sabab, hein, comme tu nous disais Jihad la semaine passée, sabab, non, mais c'est pas un sabab shar'an, hein, en ce qui concerne cette chose-là. Bon, alors, donc, dans ce cas-là, c'est un shirk mineur. Et le shaykh dit, « Wa tariqul ilm bi anna shay sabab » Comment tu fais pour savoir quand est-ce que quelque chose est un moyen légal? Le shaykh dit, « Imma an tariq al-shara, wa dhalika kal-asal, fihi shifa'un lil-nas min al-Qur'an, wa qira'atu al-Qur'an, fiha shifa'un lil-nas. وإما عن طريق القدر كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا أو مباشرا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا فهذا سبب ظاهر بين وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل أنا جربت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرا كالحلقة فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع لأن الانفعال النفسي للشيء أثرا بينا فقد يقرأ الإنسان على مريض فلا يرتاح له ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية يقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم وكذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط وقد يحسنون أو يحسون وقد يحسون بخفتها بناء على اعتقادهم نفعها. La façon dont on peut connaître que quelque chose est un moyen, c'est soit par la charia. Comme le miel, on sait que c'est un remède efficace parce que c'est mentionné dans le Coran que c'est un remède. De même que la lecture du Coran, c'est un remède parce que c'est mentionné dans le Coran. On a des preuves de ça dans la révélation. Et aussi, l'autre moyen, c'est par al-qadar, c'est-à-dire par qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé dans sa création. Comme par exemple, si on fait l'essai d'une chose, les tests sur quelque chose, et on découvre que cette chose, elle est efficace pour réduire la douleur ou bien la maladie, dans ce cas-là, yani, on voit que c'est une cause ou un moyen dans la dunya. Et le chef, il dit qu'il faut que cet effet-là soit apparent et évident directement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose, que ce soit juste basé sur tes sensations, ou tes sentiments. Il faut que ce soit réel, un effet physique réel. Comme par exemple, quand tu prends un fer et tu le mets sur l'endroit comme on utilise le fer pour guérir certaines maladies, tu mets le fer à un tel endroit puis tu vois l'effet, tout de suite la personne se sent mieux. Là, on peut tester, on dit ouais, ça a un effet réel. Il dit aussi que donc il donne des exemples comme ça, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure pour les médicaments ou les remèdes qu'on prend,
c'est la même chose. Mais quand tu vois que c'est juste quelque chose que tu portes sur toi, comme un bracelet ou une chaîne ou quelque chose comme ça, tu peux pas prouver que ça a un effet direct et réel, physique. Donc dans ce cas-là, tu peux pas l'utiliser comme étant une cause ou un moyen réel. Et puis le chef, il dit que souvent c'est juste que les gens, ils ont une impression comme ça à propos de ces bracelets-là, ils se sentent mieux en le mettant. Ça, c'est basé sur les impressions qu'ils ressentent en eux-mêmes, mais c'est pas basé sur rien de concret. Allez. Non, moi, ça. Go ahead. En fait, le hadith, c'est pas ça ce qu'il, c'est pas réellement ça qu'il dit. Le point dans le hadith, c'est comme il l'a dit là, la yastarqun, c'est-à-dire, demande pas à quelqu'un, fais le ruqya pour moi. Mais ça veut pas dire que si, qu'ils peuvent pas le faire le ruqya sur eux-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. Mais la question, c'est juste de pas demander à quelqu'un de faire ruqya pour toi. Tu comprends? Parce que c'est de mettre ta confiance uniquement en Allah et de ne pas demander rien à personne. Donc, voilà yaktawun, demande pas à quelqu'un de leur faire le, avec le traitement, avec les fers chauds. Mais il peut le faire. C'est pas, il peut se le faire sur lui-même s'il sait comment, ou bien quelqu'un peut lui faire sans qu'il l'ait demandé. Mais qu'est-ce qui diminue le tawhid? C'est que tu le demandes à quelqu'un de te le faire. Tu vois? Dans ce sens-là. Et c'est spécifique pour ça. Voilà, yatatayyaroun, c'est-à-dire, il croit pas il se base pas sur les mauvais présages, soit les oiseaux ou autres. Ça, on va venir à ça plus tard. Wa'ala rabbihim yatawakkaloun, ils mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire que, yani, c'est dans le fait de demander à quelqu'un de le faire pour toi. C'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens que c'est en lui-même quelque chose qui est, yani, pas bon. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'aimait pas le faire, mais on l'utilise comme dernier recours quand tous les autres trucs ont pas réussi. Comme dernier traitement, tu utilises le faire. Hein? Wallahu a'lam. Donc ça, c'est à ce sujet-là. C'est tout ce que je voulais lire des paroles du Cheikh Ibn Uthaymeen. Et le Cheikh, il a cité des paroles d'Ibn al-Qayyim aussi au sujet de At-Tawakkul. Mais on va pas les lire parce qu'il y a un chapitre dans le Kitab al-Tawhid spécifique à ce sujet-là. Donc on va le laisser pour plus tard. Inch'Allah. Déjà à 1h13. Le temps passe vite. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on continue, ou pas la semaine prochaine, c'est demain, pardon, on continuera les sujets. On va, demain, Inch'Allah, on va expliquer le verset. « قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هذه الآية أول آية في هذا الباب أوكي première آية dans ce chapitre c'est dans سورة الزمر الباب الكتاب كله فيه 67 بابا il y a 67 chapitres dans ce livre et on est rendu au chapitre 7. Donc c'est ça. Non. Ça aussi, on va en parler. C'est haram, ça c'est shirk. Celui qui croit en les voyants, des trucs comme ça, il est kafir. Les gens qui croient que quelqu'un connaît l'avenir en dehors d'Allah, il est kafir.
C'est ça, c'est shirk. Si tu crois que c'est les médicaments qui guérissent en lui-même, c'est shirk, asra. Parce que tu ne dois pas mettre toute ta confiance sur le médicament. Tu prends le médicament comme étant un sabbat. Hein. Si tu crois que c'est le médicament lui-même qui guérit, ça c'est shirk. Peut-être que c'est shirk akbar, Allahu a'lam, ça paraît bien que c'est shirk akbar si tu crois qu'il guérit en lui-même. Mais si tu crois que Allah l'a mis comme un moyen légal, et que tu as la preuve que c'est testé, ça a été testé en laboratoire, on a prouvé que ce médicament il a un effet positif et bénéfique, dans ce cas-là c'est pas shirk. Parce qu'il a cet effet, il a cet effet positif-là et c'est prouvé. Sauf que tu ne dois pas quand même mettre toute ta confiance sur ce médicament-là. Mais tu dis que c'est une cause qu'Allah a déterminée et qu'il a établie. Oui. Au charri, c'est ça. Sinon, ça va devenir shirk. Soit akbar ou asrar. Si c'est un, si c'est pas un, un sabab kouni ou shari, ça, et que tu crois que c'est une cause, dans ce cas-là, c'est shirk asrar. Si c'est, sinon, tu crois qu'il a un effet par lui-même, c'est shirk akbar. Puis le médicament, comme tu prends un remède parce que t'as mal quelque part, tu prends ce remède, tu crois que le remède c'est lui-même qui guérit, en dehors d'Allah, c'est shirk akbar. Mais si tu le prends et tu dis, ce remède, il va être une cause dans ma guérison parce que Allah l'a fait comme étant une cause, dans ce cas-là, ça c'est pas shirk. Parce qu'il a été prouvé qu'il est une cause réelle. Mais si tu n'as pas une preuve qu'il guérit réellement, c'est pour ça que je me demande, tu sais, vous avez entendu parler des effets placebo? Oui, c'est ça. Ils mettent du sucre, il n'y a rien dedans, puis ils donnent ça au patient. Le patient, il pense que ça le guérit. Il se sent mieux quand il l'a pris, même si en réalité, il n'y a rien dedans, c'est pas réel. Ça, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas un sabbat, si quelqu'un croirait que c'est un sabbat, dans ce cas-là, ce serait une forme de shirk. Non, ben ça serait kouni plutôt. S'il n'y a pas de preuves dans la charia, moi j'en ai pas lu, mais peut-être qu'il y en a, peut-être que j'ai pas tout lu, mais j'ai pas lu les hadiths à ce sujet-là, Allahu a'lam. Peut-être dans Shifa, comment ça s'appelle, Al-Tibb al-Nabawi, voir s'il n'y a pas un hadith qui parle de ça. S'il y en a, alhamdoulilah, sinon, si on peut prouver qu'il y a un effet dans le qadar, ce serait acceptable, mais s'il n'y a pas aucune preuve, parce que c'est sûr qu'il y a des trucs que tu peux brûler, des herbes qui vont avoir un effet sur toi, hein, comme par exemple il y a certaines herbes qu'on brûle, ça peut te faire tourner la tête, hein, donc c'est vrai, ouais, l'évaporation des rhumes que tu, pour les mauvais oeils, un truc qu'on fait brûler pour mauvais oeils, ouais, ça c'est, il faut voir ça, moi j'ai entendu, il y a quelqu'un qui me parlait de ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur ce sujet-là, mais moi j'étais pas au courant de ça. Bah ouais. قل ouais, c'est ça. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يا سيدنا سلام يا بكل دوت فيرسي يلي حديث aussi. يعني الحديث par exemple qui dit الحديث c'est quoi, ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ça c'est un exemple.
Donc, peu importe qu'est-ce que tu vas porter sur toi comme porte-bonheur, comme objet, comme main, main de Fatima, ou n'importe quel autre truc que tu vas porter, ça peut jamais te protéger contre un mal. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est nafi' et qui est ad-dar. Et si tu crois que quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de te protéger contre le mal en lui-même, que cet objet-là tout seul, il a cette capacité-là, ça c'est shirk akbar, mukhrij min al-islam. Mais si tu crois que cet objet-là c'est un sabab, et que Allah ne l'a pas fait un sabab, ça c'est shirk asghar. Parce que tu n'as pas de preuve, ni dans la charia, ni dans les expériences qui peuvent, des preuves physiques qui peuvent prouver que ça c'est une cause réelle. Donc ça c'est shirk asghar, comme on a dit tout à l'heure. Mais si, tu dis, comme on a dit, c'est un des deux cas, shirk akbar ou shirk asghar. Si c'est un sabab réel, si c'est un vrai moyen, une cause réelle que Allah a créée, et que tu as la preuve, soit dans la charia, comme pour le Coran, ou comme pour le miel, ouais, ou les azkar, ou bien comme par exemple, habbat al-sawda, tu as la preuve dans la charia que ça c'est un remède, ou bien un remède que tu as prouvé, scientifiquement tu as fait des tests cliniques qui prouvent que c'est un remède réel, ça c'est un sabab. Mais si tu n'as pas de preuve de ça, ni dans la charia, ni dans les preuves des tests, des expériences cliniques, etc., pour prouver que quelque chose est un sabab, alors ça sort, et ça rentre dans le shirk, dans ce cas-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.